Bonsoir. Bonsoir. Oh, cette robe a l'air difficile pour marcher. Tout à fait. Bonsoir, comment allez-vous? Moi. Super. Enchanté. Vous... Oh, attendez, bougez pas. Oh là là. Je n'avais pas vu. C'était le... Oh non, on a rien arrêté à la fin de l'émission. D'accord, c'est peut-être... Oh là. J'ai un charme, moi, ce soir. C'est un truc de ouf. Yasmine, installez-vous, je vous en prie. Voilà. Tout le monde connaît. Quelqu'un a vu dans les films ou pas? Pas encore. Vous n'avez le droit de ne pas avoir vu. Hein. Si vous avez moins de 18 ans, vous n'avez pas le droit d'avoir vu. Comme ça, c'est réglé. C'est quoi les petits cadeaux? Ben, c'est un cadeau pour toi et un pour Cécile. C'est un film pour nous. C'est parti avec Yasmine. Le genre le plus lourd. C'est pour toi. Bon, ben, dis donc. Et pourquoi ça, non? Hein? Parce que... Pourquoi quoi? Je regarde d'abord ce que c'est. Ouais, moi c'est un porno. Ça, je sais que je vais pas y avoir le droit. Tu l'as déjà vu celui-là, tu l'as déjà vu. Non. Le titre. Non, c'est pas le titre, je crois. Ah oui, moi c'est Alexandre le... La soirée... Qui est Alexandre le Gland? Moi, mon copain. Non, Alexandre, c'est pas moi. Alexandre. Vous voulez ça lui répondre? D'accord. Alexandre le Gland. Alors Yasmine a souviendra tous ses pantalons jusqu'à la l'apothéose de la soirée, une parlouse gargantuesque, de nombreuses scènes, je dois plus apprendre, pas du mal, pas mal, pas de vie, pas de l'enfant. Bon, je ne peux dire aucun mot, je ne peux pas aller plus loin, je vous le donnerai Véronique, vous n'en avez jamais merci, vu. Merci Yasmine, un vœu. D'accord, en le regardant, vous mettrez un DVD, vous direz, ah, c'est le cadeau de mon coco. Et voilà, exactement. C'est important, pour en savoir plus Yasmine, pour avoir un peu plus connaissance, quel âge? 27 ans. Tu viens d'où? De Lyon. D'accord. T'es originaire du Maroc, c'est ça? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être actrice X? Aide-soignante. Dis donc. Oh me sens pas bien. Ça alors, ça existe des aides-soignantes comme ça? Oui, au bloc opératoire. Et on l'a raté. Et alors, incroyable. Mais alors, passons tout de suite le fantasme de beaucoup d'hommes. Est-ce que le principe de la blouse sans rien en dessous, c'est vrai? Elles sont chaudes. Je vois bien Marie-Thérèse dans sa blouse. Mais on en a vu quelques-unes. Je suis chaude. Même l'infirmière en fin de carrière. Elle est... Ah oui, dis donc, ça doit être sympa. C'est... Comment t'es arrivée dans cet univers? Au départ, avec Alexandre, mon ami. Le gland. Avec un nom comme ça, ça ramasse. Ça bah, bonjour, Alexandre Le Gland, Paris. Lyon, Lyon. Alexandre Le Gland. Ah oui, Alexandre Le Gland, Lyon. Rosette de Lyon, on l'appelait. Alexandre Le Gland, du 69. C'est une très belle position, en tout cas. Je vois bien. Comment t'es arrivée là, alors? Et bon, on est un couple libertin. Ah. On est arrivé par le libertinage. Alors à la base, tu es exhibitionniste, échangiste, bisexuel, un peu de tout réuni? Exhibitionniste, bisexuel, échangiste. Quel CV? Que des qualités. Vous êtes engagée, madame. Pour l'instant, je ne vois aucun défaut. Vous savez faire la cuisine? J'adore. Oh, en plus. En plus. Alors, tu es quand même une des premières actrices X d'origine maghrébine. Tout à fait, oui. Alors, ça, c'est... Comment tout le monde réagit là-dessus? Comment les parents réagissent? Ben, en fait, ils réagissent un peu mal, mais c'est un choix. Mal Mais comment ils se sont rendus compte, Yasmine? Ils se sont rendus compte en regardant les films. Ouais, c'est toujours ça. À samedi soir, par hasard. Mais on dirait pas que c'est... Mais... Ils n'ont pas découvert comme ça? Non, c'est plutôt mes frères qui l'ont découvert, en fait. Aïe. Oui. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais tu m'as dit, en plus, c'est... Et vous leur avez pas dit? T'imagines? T'es devant un film porno? Ma sœur! C'est cauchemar. Quel horreur! Oh, le cauchemar! Les copains qui continuent, mais arrête, c'est ma sœur! Mais arrête, c'est ma sœur! Le choc doit être terrible. Tu savais pas? Véronique a raison, pourquoi tu leur as pas dit? Oh, voilà le cadeau, ouais. Bon, pas le dire, c'est bon, en même temps, c'est pas ouais, super simple. Pas oh, bah, regardez, quand tu zappes à la télé, c'est pas ça mieux, hein. Oui, mais enfin, c'est oui. Bah, enfin, de le dire à table, au dîner, tout ça. Non, c'est vraiment les dire. Découvert par eux-mêmes, en fait. Par l'intermédiaire de magasin. Par maman, tu vas rire. Voilà, ça détend. Oui. Non, puis, c'est mon choix, je veux dire, je fais quelque chose que j'aime. Ah. C'est ton hobby. Voilà, je respecte les personnes qui le font et je me respecte moi-même. C'est une activité que je fais, mais avant tout, je suis libertine. Oui, ça a l'air de faire plaisir en plus, ça a l'air d'être un métier qui te détend. Ça a l'air, Ah oui, je suis très heureuse de oui, faire ce que voit. Je fais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'entends? Qui veut rentrer sur le plateau? Ah, qu'est-ce qui se passe? Monsieur... Oh, monsieur Conformité, c'est... Ah, voilà. Non, là, il est tard, là, il est tard, là, il est tard. Là, il est tard. Là, je peux, il est tard. On arrête... Monsieur Conformité TF1, d'habitude, on peut pas le faire. Non. On arrête l'émission générique, on arrête. Mais qu'est-ce qui est gênant? Qu'est-ce que j'ai dit de mal?
Échangisme. Ah, ça, on a le droit. Ah, si, on a le droit. Exhibitionnisme. On a le droit. On a le droit, moi. On a vu dans Toutou YouTube tout à l'heure les nichons et tout, c'est pas possible. On n'a pas vu les nichons. Ah, si, il y avait même un gros là de l'équipe sous la douche avec un gros. Ouais, ça devrait être interdit. Ça, c'est pas de l'hygiène. Donc là, je descends, je gère. C'est-à-dire, vous posez toutes les questions que vous voulez, j'ai ramené mon dosier de censure. Ah, voilà. Bon, d'accord. Bonjour, madame Jaspine. Jaspine. Vous l'avez jamais vu? Non. Bon, alors. Tiens, allez. Ah, on n'avait pas vu de là-haut, quand même, comme ça. On dirait qu'ils disent bonjour et tout. Ça va, maintenant. Excusez-moi. Alors, donc, je peux poser mes questions? Oui, tout à fait. Alors, je question que je voulais te poser, franchement. D'accord, ok. Est-ce que tu préfères les petites ou les grosses? Mythe! Non. Ah non! Je veux dire voiture. Je veux dire voiture. Mais d'abord, je voulais dire, tu préfères les petites ou les grosses voitures, mais votre bip, il fait pas bip. C'est pas vrai. Non, je vous jure, il dit plus bip que bip. C'est pas grave, on continue. Donc les voitures, petites ou grosses? Eh bien, en fait, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Ah, des voitures? Oui, tout à fait. Ah, ça, c'est plus sympa dans une grosse voiture. Ah, ça dépend. Mais alors, les voitures courbées, comme ça. Moi j'aime beaucoup les sucettes. Arrêtez madame, s'il vous plaît. Et par contre j'aime beaucoup les grandes voitures pour les sucettes. Ça va aller. Les sucettes de Fecoraine, bien sûr. Voilà. Bien sûr, absolument. Pour les fromages à trous, j'aime beaucoup les épaisses voitures. Ça n'est pas que codé pour moi là. Arrêtons les allégories. Je vous jure, on le perd, vous le faites avec nous, vous allez nous le tuer. Alors, je suis étonnante. Alors oui, c'est vrai en plus. Prochaine fois que tu tombes, elle arrive. Ça va. À quel âge t'as pris ton premier coup de... Mythe. Non. Goût de poudre. De poudre. Ton premier coup de poudre. Mes questions, elles sont pas sexes à moi, c'est votre buzzer qui a un peu un truc bizarre. Ce satané buzzer. Buzzer. Alors, le premier coup de poudre. À 22 ans. Pas mal. On dit de toi que tu es une des rares actrices de X à vraiment aimer la... Mythe. Non. La pizza. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pénible. Hein. Attendez, je vais le régler parce que... Voilà, enlevez le beat parce que je sais on entend que ça. Hein. Voilà. Mais ça ne me dérange pas. Donc, bon, alors, tu m'enlèves le truc. J'ai changé, il n'y a plus de... comme il dit plus vite. C'est d'accord. Plus ça, machin. Ok, est-ce qu'il t'arrive... C'était pas ça. C'était pas ça. Je ne suis pas bien là quand même. Mesdames et messieurs, ils sont en train de perdre Monsieur Conformité. Nous venons de perdre Monsieur Conformité. Monsieur Conformité nous a quitté. Je vais lui faire un bouche à bouche. Attendez madame, au niveau du respect, comment on fait là? Arrête madame. Arrête madame. Je vais me faire défoncer en rentrant chez moi.